ça c'est non, c'est ça doit être dans la négociation. Donc nous sommes en face de quelqu'un qui veut semer les chaos. D'accord? Donc vous êtes en face d'un forcené et donc il faut chercher d'avoir des solutions alternatives avant d'en arriver là. Bon, bien sûr, je ne dis pas que ça ne doit pas aller à ces pays avec tout ce qu'il a fait, on le connaît. Voilà. Donc moi je pense que nous, ça se reçoit beaucoup d'informations à nous livrer pour les services de renseignement qu'on aurait intérêt à installer à demain. Et aussi les affaires des magots, les éditeurs qu'on voulait qu'il y ait caché à l'étranger, doivent nous donner toutes ces informations. On ne va pas les laisser partir comme ça. Il y a de l'argent qu'on veut quelque part, comme tous ces sites-là. Donc nous, on ne va pas les faire. S'il y a des choses à juger, nous devons d'abord l'arrêter et mettre dans un dossier prêt, surveiller. Et autre chose, les services venant travailler pour donner des informations cibles qui seront mises dans les cahiers de charge, à qui, ou est-ce qu'il a dit la vérité, s'il est de bonne foi. Voilà, pour les assassinats, les biens mal acquis, les affaires, tout ce qui est ensemble, ils vont travailler. Et ce n'est qu'à ce moment-là, s'il fait le jeu, et à ce moment-là, on peut voir, voilà, donc je lui donne un autre, si c'est le mieux. Bon, pour ma part, personnellement, c'est pas parce que je suis là, on va dire, ah oui, ça c'est un gars. Non, moi, ça se met sur, c'est pas sans soucis. Moi, je dis que c'est un ancien président quand même, et même s'il a fait des choses qui n'étaient pas bien, il a mis des coups. Dans des situations pour ces pauvres, mais il appartient d'abord d'avoir des informations, et ce n'est qu'à la justice, puisque nous voulons que la justice, parce qu'il faut importer la justice là où il y a une injustice. Donc, Sassou Nguesso doit être amené d'abord dans un lieu surveillé, et les services vont travailler pour avoir toutes les informations. Ce n'est qu'à leur conclusion par rapport à la démocratie qui sera mise en place, et à ce moment, est-ce que Sassou Nguesso va rester là où on va l'envoyer à c'est tout le principe qu'on va faire. Mais en ce qui concerne tous les autres, tous ces éléments de sa famille, tous les autres qui sont faits, bon, tous ceux qui ont fait le mal, bon, ben, la justice, au niveau des biens mal acquis, hein. Donc ça, ce sera, on ne peut pas aujourd'hui, il faut que la justice demain soit indépendante. Donc il ne faut pas importer de l'injustice là où il y a eu injustice. Il faut apporter de la justice là où il y a eu injustice. Donc ça, c'est une question. Et tous ces gens qui ont servi, qu'ils soient du nord ou du sud, on ne doit pas être puni comme ça, on doit consulter la l'État avec, sous les règles, du jeu nouveau. Donc, tous ces problèmes de Sassou Nguesso, ou de Kiki, de Coco, voilà, tout ça, bon. On ne va pas faire les carrières politiques par la suite comme ça, comme tout le monde. Alors, elle est être punie pas. Ceux qui l'ont fait de mal, c'est le cas qui va aller dans les ténèbres. Donc, nous devons punir ceux qui nous ont fait de mal. Donc, elle a bien là, là, mais celui qui, par exemple, il y aura peut-être ceux qui chercheront à aller à l'étranger, ou aller à l'étranger. Mais le Congo, c'est quand même un pays qui compte avec les cerveaux qui vont arriver. Donc, ce sera quand même dur pour eux d'aller se réfugier, par exemple, en Afrique ou ailleurs, parce que pour nous, ça sera des sujets de menace ou d'accord diplomatique ou économique. Hein. Donc, si la personne qui a pris le Congo, qui va fuir, qui se réfugie quelque part, voilà. Des choses à penser qui seront des ordres qui seront donnés à la justice et aussi voilà, au gouvernement qui arrivera. Donc ce sera tout ça, c'est des règles qu'on va établir dans le sens de la justice. Donc les gens là ne doivent pas fuir à l'étranger. Le Congo qui va arriver, ce n'est pas une dictature, c'est une démocratie. Donc démocratie, on reste d'abord sur les preuves. Voilà. Donc on va chercher les preuves avec tous les éléments qu'on dispose, avec tout ce qu'il va faire, et à ce moment ces gens. Mais par exemple, moi je prends un exemple simple. Bon, quelqu'un qui dit, bon, je parle par exemple des cas où il y a le niveau des associations qui est contre le ministre. Là, bon, on ne sait pas si mais, mesdames, messieurs, peuple congolais, vous venez de comprendre l'enjeu. Donc, être citoyen, c'est être informé et d'agir aussi. Ici, j'agis pour le sens ou le but de l'intérêt général. Mesdames, messieurs, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte, puis comme un éveilleur de conscience, et enfin comme un politique intellectuel, c'est-à-dire un lettré, libre et dégagé. Je ne suis pas engagé. Je ne suis pas engagé à une tribu, à une écurie, ou à une oligarchie politico-affairiste et compagnie. Non. Je suis un lettré libre et dégagé.
Donc, je fais part de mes analyses, de mes points de vue et autres sur des problématiques et des enjeux plus ou moins partagés et librement. Et au cœur des enjeux, je vous ai toujours dit que ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que j'ai défini comme ma liberté de conscience. Oui, je suis conscient des actes et des dégâts politiques, économiques, sociaux et humains occasionnés par la dictature de Sassou et Nguesso et de leurs accompagnateurs dignitaires du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais vous savez que dans la vie, c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer, avancer, avancer. D'où l'objet de ce débat, que je suis ici en tête de les nourrir. Parce que pendant la dictature de Sassou et Nguesso, les Congolais, le cerveau des Congolais a été abîmé. Et donc la paresse intellectuelle est telle que les gens ne peuvent pas penser à tous les équilibres en fonction des principes historiques et des faits des réalités et trouver des synthèses pour avancer. Et suite à ça, je dis non, mais pourquoi pas nourrir ce débat. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, les principes de ce débat que j'ai introduit ici sont les suivants, en ce qui me concerne. Je sais que la violence apporte la violence. Est-ce que ça va nous apporter la violence? Est-ce que nous allons apporter encore la violence? Je sais que le déshumanisme apporte le déshumanisme. Ça va nous apporter le déshumanisme. Est-ce que nous allions encore porter le déshumanisme? Je sais que la décivilisation apporte la décivilisation. Est-ce que nous allons encore être moins civilisés que eux? Et le deuxième principe que j'ai introduit ici, je sais que la maxime clé du scientifique Antoine Laurent Lavoisier, né en 1745 à Paris et guillotiné en 1795 pendant la Révolution française, fut le père du tableau périodique, un chimiste, qui avait à un moment donné choisi la cour du roi. Et pendant la Révolution, il fut guillotiné. Donc ici, quand les intérêts supérieurs sont en jeu, ça ne dépend pas de votre culture intellectuelle, savant ou autre, ça ne sert à rien. Et donc, le père du tableau périodique avait mis cette maxime clé qui s'appelle « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Cela veut dire que des choses déjà existantes ne peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Eh bien oui, donc tout se transforme. Et le troisième principe de cette vidéo, que chacun peut réfléchir, je sais qu'en politique, il n'y a jamais d'amis permanents, ni d'ennemis permanents d'ailleurs. Il n'y a que des intérêts permanents. Et certains placent leurs intérêts permanents et qui dans le sens des intérêts particuliers et partisans. Mais moi, je fais la synthèse de tous ces intérêts en ajoutant l'intérêt général. Cela veut dire que l'intérêt général, pour moi, représente plus de la moitié des intérêts précités, c'est-à-dire l'intérêt particulier et partisan. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous invite à déjouer les amalgames, les négationnismes et les polémiques inutiles et sans contre-productifs. Nous avons vu ces mêmes amalgames négationnistes et autres depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Et c'est la raison pour laquelle nous tournons en rond. Eh bien oui, certains me voient ici maintenant comme un nordiste ou un garde de la cuvette qui veut protéger les gardes de Sassou du nord au nord. Sassou a travaillé avec des dignitaires du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au moment de la libération, nous ferons la comptabilité, tant politique, économique et financière et compagnie. Vous serez surpris que Sassou a travaillé avec des individus du nord au sud, de l'est à l'ouest. Même dans les régions, on dit, oui, vous les nordistes, oui, puisque là-bas, la responsabilité est par association. Souvent. Mais donc, nous devons franchir cette barrière de la raison. Et c'est en franchissant cette barrière de la raison, dans les cas du droit et de la morale, nous pouvons ensemble mettre en place une société constituée où le droit sera au cœur des enjeux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, il faut le dire que du nord au sud et de l'est à l'ouest, on a été tous
des complices, oui, certains des accompagnateurs, et d'autres qui sont aujourd'hui actifs, qui travaillent pour le compte du dictateur. Et sinon, pourquoi cela se commence, cela se fait, que nous sommes en méfiance et en défiance entre nous, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, on a des espions de Sassou, on a tous ces gens qui sont là dans les déclassements. Il s'agit bien sûr d'une oligarchie, des écuries, et qui représentent que leurs intérêts particuliers partisans au détriment du souverain peuple. Mais nous avions compris ça. Donc nous n'allons que répondre les mêmes erreurs. Mesdames, messieurs, peuple congolais, oui, nous n'allons pas répondre les erreurs. Parce que sinon, comment cela se fait-il que, depuis la conférence nationale souveraine, en passant par le pouvoir de l'Issouba, et jusqu'à nos jours, nous sommes dans la récurrence des mêmes erreurs. Donc nous devons avancer avec une nouvelle génération et qui est là pour penser les enjeux majeurs. Mesdames, messieurs, vous savez que Albert Einstein, philosophe et scientifique américain d'origine allemande, avait pourtant dit parmi ses citations sont devenues célèbres, il avait dit « c'est de la folie de faire tout le temps la même chose qu'on croit qu'on va obtenir des résultats différents. » Et ça, nous devons le penser tant au niveau de cette situation-là, tant au niveau du devoir de mémoire, qu'au niveau de l'organisation d'autres formes d'organisation politique, économique et autres de notre pays. Parce que si on refait tout le temps la même chose, ne nous étonnons pas qu'on a les mêmes résultats. On tournera. Donc il faut justement avancer et repenser d'autres modes de pensée, que ce soit d'organisation politique et compagnie. Mais on va en arriver là. Parce que pour construire une société meilleure, il faut une mobilisation du peuple. Et cette mobilisation ne peut se passer sans rêve, sans un rêve commun. Et de lendemain à construire et de futur à édifier. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. Mesdames, messieurs, peuple congolais, eh bien oui, Nelson Mandela ajouta d'ailleurs, plus tard, qu'en revenant à un endroit où rien n'a changé, qu'on se rend compte qu'on a changé. Et donc, soi-même, on a changé soi-même. Donc, quand je vois la situation du Congo, et que je vois que depuis presque 27 ans que je suis de France, d'Occident, la moitié de ma vie en France, je suis venu ici avec la vingtaine, j'ai la cinquantaine, 50 ans, et comme si rien n'a changé, tout s'est dégradé, tout s'est dégradé. Mais la faute à qui? La responsabilité, l'irresponsabilité et compagnie. La faute n'a pas de chance. La faute aux autres, au bouc émissaire et autres, on ne tourne en rond. Donc nous devons éviter ça. Et nous avons les idées, nous avons les solutions qui peuvent nourrir le débat et pour avancer simplement. Parce que chaque fois qu'on fait introduire un débat, on se retrouve toujours à cette récurrence des consciences réfractaires. Et ces consciences réfractaires, nous n'en voulons plus. Mesdames, messieurs, peuple congolais, je vais ici vous laisser réfléchir de ces principes-là et de ces pensées. Bon, vous savez que la fin de la dictature Sassou Nguesso est annoncée, dans 97% des cas. Il peut ou ne pas finir 2018. Et peut-être, bien, peut-être au courant 2019. Dans tous les cas, la situation nationale ne va pas lui permettre encore de rester à détruire ce peuple. Et deuxièmement, la situation périphérique aussi, c'est-à-dire au niveau sous-régional. Mesdames, messieurs, peuple congolais, oui, j'indique que je m'adresse au nord, au sud Congo et à la diaspora congolaise. Pourquoi faut-il sauver la vie du dictateur Sassou Nguesso et ses dignitaires? Et pourquoi? Et pourquoi faire? L'enjeu est d'abord économique. C'est ce que je vais vous expliquer. L'enjeu aussi politique et enfin civilisationnel. Et voir des nouvelles synthèses sociétales au 21e siècle existant au Congo. Pour commencer, je vais d'abord introduire les enjeux économiques. Les enjeux économiques sont les suivants. Nous avons un problème des dettes publiques. Ils ont transformé leur dette privée en dette publique. Et donc la dette menace nos équilibres macroéconomiques et les comptes publics et compagnie. Donc, nous on a une dette qui avoisine autour de 7 milliards de dollars. Et nous avons de l'argent caché qui est là quelque part. Des magots, on a un gros magot qui est caché quelque part. Et l'argent là, on parle aussi des biens mal acquis. Et cet argent là, il faut récupérer ces magots. Les magots ne parlent que détenus par les Congolais, mais aussi par les étrangers.
et que par des procédures que je ne vais pas vous expliquer. L'ancien ministre de l'économie et des finances, Jean-Luc Mélenchon, m'a bien expliqué ces mécanismes en termes des principes entre les États et autres. Il y a beaucoup de règles sur ça. Donc, il y a des étrangers qui sont venus s'enrichir dans notre pays et qui ont un magot caché. Donc, il faut laisser en vie les Sassou Nguesso et tout ce monde-là pour qu'ils viennent dire où se cachent les magots dans le sens d'intérêt général et aussi des mesures compensatoires ou des circonstances atténuantes pour des crimes économiques seulement. Mais les crimes de sang sont imprescriptibles. Donc, ils seront punis, ils seront condamnés, bien sûr. Mais en ce qui concerne ces dossiers, et oui, nous pourrons avoir ça dans le sens de l'intérêt général. Donc, à raisonner tous ces gens-là. Donc, il faut les laisser tout ce monde en vie. Il ne faudrait pas les tuer. Il faut les récupérer parce que la paix aurait changé de camp et ils viendront dans les circonstances des cadres juridiques pour repenser ensemble dans ces circonstances et ils pourront se retrouver dans cette situation et que nous définissions comme une étape nouvelle pour le Congo de demain. Donc, l'enjeu économique est là. Nous avions besoin de repenser le Congo. Parce que nous avons des problèmes de devoir de mémoire, de toutes ces indemnisations et tout ça. Il faut du magot immédiatement. Et les gens qui ont travaillé avec Sassou Nguesso, les pays autres, ils ne vont pas nous laisser comme ça. Donc, récupérer d'abord ce magot. Et après, nous pourrons commencer à repenser les modèles économiques, une nouvelle société et compagnie dans le but de l'intérêt général. Donc, je ne veux pas rentrer en détail là. Donc, l'enjeu pour donner ces gens en vie, est capital, est nécessaire, indispensable. Parce qu'il y a eu des montages financiers complexes. Et que si les gens-là ne sont pas en vie, nous ne pouvons pas récupérer une grande partie, même pas grand-chose. Donc nous devons mettre tous les moyens, comme l'a fait le Nigeria, parce que ces gens sont en vie, ils sont allés récupérer plus de 2000 milliards de dollars. Et le Kenya veut faire aussi pareil. Donc nous avons la possibilité d'avancer ensemble dans ce but-là. D'où l'enjeu de préserver la vie des gens et dire non, les raisonner que dans le sens de l'intérêt général, vos vies seront présentes pour aller faire la prison pour. D'autres pour un mois, d'autres pour 5-10 ans, mais après ils reviennent, ils sont là. Donc, leur vie haute, donc tout sera mis dans le dossier des circonstances atténuantes. Et aussi de respecter le droit. Parce que nous, le but n'est pas de faire le compromis et autres, à la con, comme on l'a fait en 91. Non, nous, c'est le droit. Le droit doit agir. Et c'est les preuves et aussi la participation dans le sens de l'intérêt général. Mesdames, messieurs, oui, ceci dit. Donc, nous devons changer de paradigme donc, sur le plan économique et de ces gens-là. Et deuxièmement, il faut voir que nous avons arrivé là, il faut mettre un cadre juridique, il sera dans le cadre de la période de transition plus ou moins longue pour repenser restaurer l'État et son autorité sur tous les plans, administration, de la police, des armées, des diplomaties et tout, de l'image de notre pays. Il faudra aussi restaurer le rang sous-régional et aussi continental. N'oublions pas repenser une nouvelle nation. Tout ça, c'est une période de travaux, d'un bail qui a été abîmé par ces gens-là. Nous devons récupérer notre bail et repenser ces enjeux-là. L'enjeu aussi politique, parce que, bon, vous voyez, les cas Sassou Nguesso, comme vous avez entendu dans la vidéo, il faut construire des devoirs de mémoire, il faut des informations, il faut tout. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1970 à nos jours? Donc, il faut tout mettre ça dans le cadre des devoirs de mémoire. Nous aurons des mémoires, des trucs énormes pour les devoirs de mémoire, parce qu'une société qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes horreurs. Donc, il faut que ces gens-là soient en vie. Et pour qu'ils viennent donner toutes les informations dans ce cadre de la volonté nationale. Ceux qui sont responsables, oui, j'ai fait des erreurs, je vais aller en prison, mais en sortie de là, bon, mon image se lave et laisser les autres continuer, je peux revenir faire mes activités politiques et économiques. Voilà, donc c'est ça. Donc la responsabilité politique, économique, sociale, et judiciaire est compagnie parce que le but du devoir de mémoire, parce que si nous avions ce magot déjà, pour le cas des régions du Poule qui a été détruit, donc il faut tout la reconstruire, parce que 20% de ce magot va aller pour toute cette mesure compensatoire pour construire une région du Poule nouvelle et compagnie, et sur l'ensemble du territoire national. Donc tout est à repenser. Donc, il faut dire que l'enjeu aussi civilisationnel, parce qu'ils apportaient la mort aux uns aux autres. Pourquoi nous allons répéter et que les mêmes erreurs allaient apporter la mort, la mort, la mort, la mort? Non, on ne veut pas éviter, on veut éviter ça. Donc, nous devons repenser ça dans le cadre des sociétés civilisées. Et donc, nous devons devenir civilisés. Et dans ce combat d'ensemble, et vous aurez compris, parce que je n'ai pas le temps, j'aurais pu développer encore mieux, mais je pense que j'ai nourri une partie du débat. Et que chacun pourra les nourrir, c'est qu'elle dit qu'il faut les sauver parce que nous avons besoin d'informations tant politiques pour les devoirs de mémoire, tant économiques pour récupérer notre magot,
ton civilisationnel pour ne pas répondre les mêmes erreurs de la mort, la mort, la mort, les assassinats. Non. Nous devons savoir ces gens qui ont assassiné les uns et les autres, où ils sont, comment ils l'ont fait, et écrit ça. Donc, ils introduisent d'ailleurs le terme que le ministre Jean-Luc Malika, l'ancien ministre d'économie et des finances, Jean-Luc Malika m'a dit que dans le cadre des devoirs de mémoire et de la réparation et autres, nous devons mettre les trucs comme s'est passé en Afrique du Sud, après l'apartheid. Donc, il y a une commission de vérité et réconciliation. Donc, les gens vont venir dire toute la vérité. Donc, on va construire des trucs comme ça. Donc, ce sera un boulot. Donc, à commencer à agiter vos neurones. Au lieu de rester dans une crise de civilisation permanente, vous pensez qu'à votre tribu ou votre famille ou autre. Non, il faut penser l'intérêt général quand vous engagez en politique. Le reste, c'est vos privés ou familial ou intérêt. Ça, c'est là-bas à porter. Mais l'intérêt général doit privé. Donc nous, le but est que Sassou Nguesso raisonne et dit non, mais finalement, ça peut apporter beaucoup de choses. Je peux soit démissionner et laisser ces gens faire une période de transition, libérer tous les prisonniers politiques et faire des accords majeurs entre le président et le Jean-Marie Michel Moukoko et tous ces prisonniers politiques et les écuries autres et trouver une synthèse pour qu'ils démissionnent. On commence à travailler là ensemble pour éviter les chaos. Mais sinon, dans les conditions des chaos, donc l'air. La punition de ces gens sera encore des facteurs aggravants. Donc, le but est d'éviter les facteurs aggravants qui vont être là dans le sens de la punition parce que dans tous les cas, dans 99% des cas, dans 100% des cas, le peuple partira les derniers mots et les derniers jugements. Donc, tout a un début et une fin. Tout a un départ et un terminus. Donc, la situation se dirige vers la chute des sanctions. Donc, lui, à lui-même, de prendre sa conscience, dit non, écoutez, je vais dans ce cadre-là. Oui, j'ai des esprits qui aujourd'hui des synthèses qui sont au sein de Paul Makaya, du président Moukoko et de tout ce monde-là, dans cette dynamique, il faut aller dans ce truc-là pour que nous puissions accompagner le Congo de demain. Je vous remercie et à bientôt.